Hello tout le monde! On se retrouve mercredi 28 septembre pour ce nouveau vlog, donc de ce vlog numéro 4 et dernier vlog d'octobre. D'octobre. De septembre, ça commence fort. Oui, moi je suis donc Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je suis une tricoteuse de la région parisienne, donc au nord du 95, limite de l'Oise. Je dois être à cassé à 1 km de l'Oise, même pas, bon, un truc comme ça. J'ai toujours 52 ans, ça n'a pas changé jusqu'à l'année prochaine. Et on se retrouve sur cette chaîne pour parler principalement tricot, couleur en général. Vous voyez la couleur, c'est l'automne, j'adore. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. Je vous ai mis une petite photo au départ, une petite photo, une petite vidéo au début de la vidéo pour vous montrer les petites décos que j'ai fait ce week-end. Donc, comme on parle de déco, je vais vous dire directement ce que j'ai réussi à faire par rapport au planning que je m'étais fixé vendredi dernier. Avant toute chose, alors, ce que je porte, un vieux pull Promode tout pourri qui pique. Excusez-moi, ça fait pas beaucoup de pub pour Promode, je suis désolée, mais celui-là, clairement, il pique. Mais comme c'est le seul bleu marine que j'ai, pour le moment, je m'en suis pas fait encore tricoter main. Bah, je le mets parce qu'il va avec les jeans et tout. Et voilà. Donc, j'attends de trouver une belle laine bleu marine pour me faire un gilet qui ira avec tout. Voilà. Sinon, le châle. Je porte le Shoot the Moon. Je ne sais plus de qui. Je vous remets la photo et le nom. Que j'ai tricoté dans les laines de Drops. Alors, ça, c'est Alpes, la marron, enfin la beige, enfin la. Voilà. C'est l'alpaca de Drops en coloris chameau. Celle-ci, c'est l'alpaca, la bleue. Alpaca de Drops également. Je ne sais plus quel coloris. Ça, c'est Tricot et Stitch. Le coloris. Éléonore, un truc comme ça. Ça, c'est Drops également. Je ne sais plus quel coloris. Et donc, je ne sais pas si vous le voyez, là, vous la voyez, celle-ci, c'est Tricot et Stitch, son coloris, je ne sais plus. Donc, je l'adore, j'avais aimé le tricoter, j'avais été agréablement surprise par la manière, enfin, la texture de l'alpaca, en fait. Et je l'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai jamais mis, je l'ai bloqué, etc. Donc, c'est la première fois aujourd'hui que je le mets. Alors, vous savez que j'ai une peau réactive. Alors, je ne dis pas que il pique, enfin, l'alpaca de Drop ne pique pas. Par contre, enfin, je ne suis pas super, je suis super à l'aise. Enfin, pas à l'aise, mais. Disons que faut pas que. Là, ça va, il fait froid, donc ma peau, elle n'est pas trop réactive. Mais si j'avais un peu plus chaud, je pense que ça me piquerait un peu ou ça me gênerait. Mais c'est par rapport à d'habitude, c'est largement supportable. Alors, ce dont je vous avais parlé vendredi et que je devais faire ce week-end, alors j'ai ma liste. J'en ai fait quand même pas mal. On va pas se mentir. Et je suis contente de moi. Alors, je devais ranger, enfin trier. Donc, j'ai à mettre à jour Ravelry, ce qui est fait, sauf pour comment il s'appelle, le Pythagore, parce que je l'ai pas, j'ai pas pris les photos encore, donc j'ai pas rentré. Je crois que j'ai rentré les laines, mais j'ai pas mis de photos. Donc celui-là, j'ai à terminer. Autrement, Ravelry est à jour. J'ai mis à jour mon cahier qui est énorme, que je vous ai déjà présenté, où je mets donc tous mes projets avec les laines. Donc là, bon, ça c'est l'année dernière. Je vous rapproche. Donc ça c'est le Love Note. Donc ça, bah, c'est le Shoot the Moon. Vous voyez, je mets les étiquettes, les laines. Alors ma petite fiche que vous pouvez toujours me demander, je vous donne gratuitement par mail. Vous me faites une demande par mail et je vous l'envoie. Si d'ailleurs, à celle que j'ai envoyée, vous notez des choses qui vous manquent dans la fiche. Bah pourquoi pas, dites-moi ce qui vous manque. Et même moi je sais que j'ai fait déjà des modifications parce qu'il y a des informations dont je n'ai pas besoin. Donc j'en ai enlevé certaines, etc. Donc voilà, le Pythagore, par exemple. Donc avec toutes les laines, les grammes, etc.
Donc voilà, donc j'ai avancé, j'ai fini mon cahier. Donc là, les choquettes, il me reste le lace box, boxy à faire parce que j'ai pas fini. Le schéma et le test de Christelle. Vous voyez, je l'ai commencé vraiment tout au début. Ça, c'est mon Lunae. Alors au début, j'étais courageuse. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, quand j'ai un patron en anglais ou même en français d'ailleurs, je le recopie avec juste les éléments qui concernent ma taille. Et du coup, j'étais très courageuse à l'époque, au début, parce que je recopiais le patron sur le cahier pour ma taille. Autant vous dire que ça prenait un petit peu de temps. Enfin, voilà. Voilà mon cahier. J'adore faire ça. Tout ce qui est papeterie et tout, j'ai du mal à m'y mettre parce que... faut s'installer, faut prendre des scotch, des ciseaux, voilà, enfin, bref. Ça, c'est fait. Je devais faire également coudre des lingettes pour ma fille. Donc, ça a été fait. Je vous mets une photo parce que du coup, elle est passée dimanche et elle les a récupérées. Donc, je vous mets une petite photo pour que vous voyez ce que ça donne. C'est des lingettes. Hein. Donc, je vous mettrai également le tuto. Oui, le tuto dans la barre de description qui m'a inspiré ces lingettes, parce qu'en fait c'est un tuto où vous ne faites pas les lingettes une par une. Elle vous montre comment prendre un coupon de tissu, le séparer en carré selon le nombre de lingettes que vous voulez et comment le coudre pour vous éviter de coups de... Voilà. Donc je vous mets le tuto et puis c'est tout. Donc les lingettes, c'est fait. Je voulais coudre deux sacs à projet et... alors là, ça va être... J'adore l'automne pour ça, c'est qu'il y a des variations de couleurs, mais après, sur la vidéo, ça va être un peu plus gênant. Mais bon, moi, j'adore. On passe du sombre, le soleil qui traîne derrière les nuages. C'est trop beau. Je vous disais quoi. Je voulais commencer faire des citrouilles. Alors, je me suis installée avec mes petites laines et tout, dimanche au canapé, je regarde les patrons que j'avais sortis, que j'avais trouvé sur Drops Design, enfin j'en avais trouvé un peu partout. Je sors et je regarde le nombre de mailles, je dis ça me paraît quand même beaucoup hein, ce nombre de mailles. Et en fait, j'avais 2-3 patrons pour, enfin des explications pour faire des citrouilles de 35 cm. Mais je veux pas des citrouilles de 35 cm, enfin pas pour le moment. Je veux des petites citrouilles. Donc voilà. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai ressorti. J'ai trouvé par contre des patrons sur Ravelry. Très détaillés et tout. Pour des petites citrouilles de entre 8 et puis il y en a des 20 cm. Enfin voilà. C'est plus raisonnable. Donc j'ai abandonné cette idée. Par contre, j'ai commencé mon petit gnome. Donc toujours le gnome. Moi, c'est mon préféré. Le gnome de Sarah Shira. Je crois que c'est Sarah Shira. Le gnome classique qu'on peut décorer comme on veut, que j'ai fait celui de Noël, je vais vous montrer. Donc les petits gnomes que j'avais fait l'année dernière, je vous l'ai déjà montré, donc c'était le gnome de Noël que j'ai fait, donc ça c'est le grand format. J'ai également fait en petit format la décoration de Noël, alors je sais plus si c'est août ou juillet qui était celle-ci. Donc c'est pour ça moi j'aime bien cette version parce que c'est vraiment la plus simple. Et après vous pouvez modifier la couleur du corps, le chapeau, rajouter des petits trucs. Voilà. Donc moi vraiment j'utilise celui-ci. C'est vrai que j'ai jamais racheté d'autres patrons d'elle parce que ceux-là me suffisent. Donc ça c'est la petite boîte de déco. Je vous la montrerai en novembre ou décembre. Toutes les décos qui ont été faites et qui vont aller dans le sapin. À ce propos, pendant que je parle de déco, je vous mets celles qui ont été rajoutées sur Insta donc pour le mois de septembre. Donc merci à celles qui continuent de participer. Bon, en même temps, il n'y a pas de participation, c'est juste pour c'est pour nous, c'est pour notre sapin. Je suis contente de voir des décos de Noël toute l'année. Donc, ça c'était le gnome initial. Donc j'ai commencé mon gnome d'automne qui est ici. Voilà, j'ai fait que le bonnet. Donc vous voyez, donc c'est le même bonnet que j'ai fait dans les laines qui me reste du Pythagore, une louve dans les bois, l'odeur du bois. J'arrête de dire hein,
Parce que depuis qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit, oh là là, j'ai du mal avec les podcasts, dis-toi, ça va, mais il y en a, j'ai du mal avec les podcasts où on dit tout le temps eux. Et du coup, maintenant, le fait qu'elle me dise ça, j'entends eux partout. Quand je fais les montages, j'entends que je dis tout le temps eux. Ça me stresse. Donc, le bonnet, et après le corps et la barbe, je vais la faire dans le peu qui me reste, et ce qui me restera, je ferai la citrouille avec. Encore un E. Voilà. Donc, le petit bonnet de mon prochain gnome d'automne. Ensuite, je pose. Non, non, mais c'est vrai, c'est insupportable. Et je vous dis, le fait de faire attention au E, j'arrête pas de. J'ai cousu, je vous avais dit que je cousais mes sacs à projet. Donc, j'ai cousu mes deux sacs à projet que voici. Alors, celui-ci, donc qui est le premier que j'ai fait. Donc, dans ce tissu automnal, j'ai dû l'acheter chez AliExpress, celui-ci. Donc, en tissu AliExpress, donc j'ai fait une double. J'ai mis deux tissus en dessous, en fait, un orange et un noir. Bon, vous voyez, c'est pas droit. Hein. Bah oui, je suis astigmate, je vois pas. Donc, c'est pas super droit. Donc, ça, c'est le coupon principal. La coulisse, je l'ai fait en noir comme le bas. Et l'intérieur, je l'ai fait orange. Parce que c'est l'automne. Et les petites boules, je les ai fait orange aussi. Je voulais vous montrer, parce qu'on m'a demandé de montrer également. Vous saviez ce que j'avais acheté sur AliExpress, les petites pinces comme ceci. Les petites pinces comme ceci, là. Et on m'a demandé comment on s'en servait. Et en fait, bon là c'est fait, donc ça va être compliqué. Mais en fait, vous prenez le bout de votre ruban ou de votre cordon, ce que vous voulez, vous le pincez et vous fermez. En fait, il y a une petite rondelle. Vous fermez jusqu'au bout, du coup, ça tient le cordon ou le ruban et vous le passez dans votre coulisse. Voilà, comme ça, vous pouvez tirer et vous embêtez moins. Moi, je le faisais avec des épingles à nourrice, des choses comme ça. Et c'est vrai que les épingles à nourrice, des fois, ça s'ouvre. Donc ça rentre, ça se bloque au milieu, enfin voilà. Donc voilà le premier sac à projet d'automne. Voilà, je vais le mettre sur Insta la semaine prochaine parce que je ne vous spoile pas. J'essaye de ne pas spoiler sur Insta. Et le second, voilà, celui d'Halloween. Celui d'Halloween. Donc celui-là, j'y ai fait un fond noir, des coutures un peu rouille, orange rouille. L'intérieur rouille et les petites boules orange et violette parce qu'en fait à la base je voulais mettre en fond un tissu violet comme ça que j'ai pas trouvé, enfin que j'avais pas, donc j'allais pas acheter du tissu exprès. Donc voilà mon deuxième sac à projet d'automne et je vous mets, donc il y en a eu un ou deux, je sais plus, sur Insta qui en ont fait, donc suite au tuto que je vous offre gratuitement sur ma chaîne. Je vous remets la suggestion en haut. Donc il y en a qui l'ont fait, je vous le mets, donc les images de ces nouveaux sacs à projet. Voilà, de nouveaux petits sacs. Je les adore, vous en doutez. Je les pousse. Hop. Alors, toujours en couture, je vous avais dit que j'avais donc prédécoupé un petit cœur donc pour faire ma déco de boîte à sapin 2022. Ce que j'ai fait, et la voici. Donc, c'est un petit cœur en tissu. Donc, je vous avais dit que je voulais en fait laisser les coutures apparentes coudre et après découper avec un ciseau crampeur. Et sauf que ce que je vous ai montré la dernière fois, où est-ce que je l'ai mis? Oui, donc les ciseaux crampeurs que je vous avais montré la dernière fois que j'avais acheté chez Sostengren, donc ceux-ci, en fait, sont des ciseaux pour papier. Donc du coup, j'ai essayé de couper le tissu et ça a déchiré plutôt qu'autre chose. Donc il faut que je m'achète des ciseaux crampeurs. Donc du coup, je n'ai pas pu faire mes bords comme je voulais. Donc voilà mon petit coussin. Mon petit coussin. Petite déco de septembre. Donc c'est juste du coup un tissu rembourré, un cœur rembourré. J'ai mis quelques rubans ici pour bloquer le ruban qui va tenir sur la branche du sapin. J'ai mis juste une petite perle et voilà.
Le tour est joué. C'est-il pas mignon? Voilà, elle est très beau. Alors du coup, comme on est déjà le 28 septembre, il faut déjà que je trouve une idée pour octobre. C'est ça, faire les trucs au dernier moment. C'est qu'après, voilà, c'est déjà le mois d'après. Voilà ma petite déco de septembre. Pour les décos, je crois que c'est tout. Non, j'ai ça. J'ai commencé ça en fait, donc qui est un petit cœur en osier que j'ai eu à Action de Francissou, sur lequel j'ai rajouté des rubans et je le trouve pas terminé. Ce que j'aimerais faire, c'est rajouter des petites pommes de pin, des choses naturelles, des petites pommes de pin ou des tranches des rondelles d'orange séchées, des choses comme ça. Donc celui-là, il n'est pas terminé. Voilà, ce qui me reste à faire, c'est ça. Et peindre ou vernir les cadres des illustrations de Camille, des infusettes illustrations. Donc là, je ne les ai pas mis, hein. Rien n'est rentré encore. J'ai peint pas le cadre ni rien. J'ai pas fait le contour. Voilà, donc c'est les illustrations de Camille et je voulais les mettre en valeur. Mais oui! C'est tellement joli. Donc voilà pour les décos d'automne que j'avais prévus. Je vérifie le cahier, je l'ai fini. Les lingettes également. Je vous ai mis les photos parce que du coup j'ai retourné en fait le début parce que c'était pas bien. Donc j'ai retourné une partie. Je ne sais plus si je vous ai parlé des lingettes démaquillantes. Si c'est pas le cas, je vous remets une photo. Si je vous en ai déjà parlé, je vous mets pas de photo. Voilà. Vive les joies des scénarios et des tournages vidéo. Je suis une grande scénariste. J'ai raté ma vocation. Sinon, le gnome, les sacs, je vous ai montré. Les citrouilles, je crois que je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé, les citrouilles. Les citrouilles que je me suis installée et je voulais tricoter. Et en fait, les citrouilles, c'était des citrouilles de 35 cm. Je vous en ai parlé ou pas? Bon. Tant pis, je regarderai dans le montage si je n'en ai pas parlé, bah tant pis. Je vais juste me mettre aux petites citrouilles. Voilà, au lieu de faire des grosses. Sinon, quand j'ai sorti le vlog la semaine dernière, il y a eu un petit bug. Je ne sais pas pourquoi. Moi, la vidéo est bien passée. J'entendais tout, j'avais le son. Donc j'ai lancé la publication sur YouTube. Et j'ai eu un premier commentaire qui me dit: Oh là là, on n'a pas de son sur ta vidéo, on ne t'entend pas. Donc ni une ni deux, moi, comme une bêtasse, une bécasse. Bécasse ou nigaude. Voilà. J'ai supprimé la vidéo et bon, j'ai fait mes trucs qu'il fallait faire et je voulais répondre à cette personne en disant merci de m'avoir prévenu. Nana. Sauf que comme j'ai supprimé la vidéo, je n'avais plus le commentaire. Donc merci à toi ou à vous. Je ne sais pas si les gens me vous voient ou me tutoient. Donc merci de m'avoir informé, mais du coup, je n'ai pas pu te répondre, vous répondre parce que j'ai supprimé le commentaire donc je ne savais plus qui m'avait écrit. Voilà, c'était un petit problème technique. Sinon, j'ai aussi eu un message, et ça, je suis tellement contente, de Monsieur Daniel. Vous vous souvenez de Monsieur Daniel? Qui était fâché parce que sa femme, elle écoutait mes vidéos et que ça faisait bing-bing toutes les 5 minutes et qu'il n'en pouvait plus de ce son. Donc, voilà, j'avais fait un petit message en lui disant que je ne pouvais pas enlever les ding-ding parce que c'est vraiment pour quelqu'un qui tricote ou qui fait autre chose, ça permet de lever la tête au moment où il y a des trucs à regarder. Et donc, que j'allais baisser le son et que, voilà. J'avais plus de nouvelles, donc je croyais que Monsieur Daniel était fâché. Mais non, il m'a envoyé un commentaire cette semaine. Merci pour me dire que c'était très gentil d'avoir baissé le son et que voilà, il m'embrasse. Je sais plus, fait des bisous. Je sais plus. Bref, il était content et moi aussi. Franchement, si je peux aider comme je lui ai dit, les maris de mes abonnés ou vice versa. Si je peux adoucir leur vie, je suis contente. Donc maintenant, on va passer au tricot quand même. Hein. On est quand même là pour ça. Donc, comme ce week-end, j'ai principalement travaillé sur tout ce qui était automne, etc. Je n'ai pas fait beaucoup de tricot, sauf le test pour Christelle, Démaille et moi. J'ai fini ma première chaussette. Eh, c'est pas un record, ça. Donc là, la Poesia Sock. La chaussette gauche, elle est magnifique. Donc, comme je vous l'avais montré, donc je l'ai tricotée dans les laines de Ingrid de Loup dans les bois.
Le coloris, c'est, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est Meule en été. Enfin, c'est, ça fait partie de son club Monet trimestriel. Donc, on commence par des côtes contrariées en haut. Ensuite, vous avez un point de texture que vous retrouvez sur la moitié de la chaussette d'un côté. Ah bah oui, mais oui. Et de l'autre côté, il n'y a que le point texture et cette dentelle. Donc, qui est sur un côté du pied, donc vous la tricotez en miroir, en fait. Je me suis trompée? Ah non, c'est bon. Parce qu'elle n'est pas tirée encore, donc je croyais que là, j'avais pas fait le... Mais si, je l'ai fait. Ensuite, vous avez un talon renforcé, ici. Donc, on rattrape les mailles. Bon, c'est pas super, mon rattrapage de mailles. Hein. Pas très doué. Hein. Et ensuite, bah, vous reprenez vos mailles, vous faites vos diminutions, etc. Le dessous de pied reste en jersey, le dessus en dentelle et en point texturé. Et ensuite, vous avez, alors je vous enlève, vous avez un, une pointe comme je les aime, bien ronde et pas triangle, bien ronde. Donc tout est calculé pour que ça fasse bien rond comme ça. Et vous terminez par un grafting. Par un grafting, voilà. Alors, ça m'a réconcilié parce que c'est vrai que moi, c'est mon... Les premières chaussettes que j'ai tricotées qui étaient... En fait, ça, c'est les premières. Elles sont vieilles. Hein. Ça, elles ont plus de 2 ans. Je les mets le soir pour marcher pieds nus. C'est une laine de butinette, donc toute pourrie, extensible en plus. Et c'est vraiment la première chaussette que j'avais faite. Donc, j'avais commencé par le haut. Donc, ça, je l'avais fait entièrement en aiguille double pointe. Commencer par le haut et sur le même principe en fait, avec un talon, bon pas renforcé, mais un talon que vous faites derrière, voilà, avec des mailles que vous rattrapez, etc. etc. Et ça, c'est vraiment, j'avais adoré tricoter cette chaussette. Et c'est vrai que depuis celle-là, j'ai fait plein d'autres types de chaussettes par le bout, enfin j'en ai fait plusieurs, mais je crois que c'est vraiment celle-là qui m'a réconciliée avec la chaussette, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime. On commence par le haut, nos tiges, ce talon, cette façon de rattraper. Alors j'aime les talons... comment ça s'appelle? À gousset? Un truc comme ça. J'aime, visuellement, je préfère les talons. Mais ça, franchement, je l'adore. Alors, comme je vous avais dit, j'ai fait la taille 72 mailles. En 2,25. Et pareil, en fait, je pense que c'est bien ce qu'il faut que je fasse. Alors après, elle est un peu large. Enfin, elle est un peu large. Elle me va bien. Elle n'a pas d'aisance négative. Alors, je sais peut-être effectivement que quand je vais la laver et la bloquer, elle va être un peu trop grande et peut-être glisser dans la chaussure. Je ne sais pas. En attendant, là, quand je la mets telle quelle, c'est vraiment nickel. Sur le pied, j'ai pas justement cette impression de ce que je vous disais dans les autres chaussettes, que mon poing il tire. En fait, que je. La laine n'est pas jolie parce que mon pied est trop tiré. Et là, c'est parfait. Donc, merci Christelle pour ton design et pour cette révélation. Donc, il me reste la chaussette droite à faire. Il me reste jusqu'au... Il est publié, le patron sort le 9 octobre. Donc, voilà, il faut que j'aille vite. Et je l'ai fait vite quand même. Hein. Je l'ai commencé le 22, je crois. Et je l'ai terminé hier ou avant-hier. Je sais plus, hier ou avant-hier, non, quand même, par rapport aux autres chaussettes où je mets 3 mois, on va vous dire. Voilà. Et j'ai commencé donc, pour ne pas perdre le rythme, j'ai commencé donc la chaussette droite. En tricot, donc toujours, comme j'ai bossé que sur ça, j'ai fait quelques rangs du Lace and Fade Boxy. Que je vous montre, que je vous mets sur cintre, c'est plus pratique. Voilà. Donc j'ai terminé. Donc par rapport à la dernière fois, on en était ici. Donc j'ai pas avancé beaucoup non plus, hein. Mais j'ai terminé. Donc tout est terminé. La bande, normalement, c'est la dernière bande de dentelle. Et là, j'ai entamé donc le coloris. Je ne sais plus de l'énamouré. C'est le coloris. Ou 20 milieux sous les mers, ou ébloui par la nuit, quelque chose comme ça. Donc, je vous ferai le point quand il sera terminé. Donc je l'ai essayé, et du coup il fait court parce qu'il est large, enfin, il est boxy, mais je pense que je vais
Je pense que je vais écouter le patron pour une fois, je ne vais pas rallonger énormément. Sur l'image du patron de Rory Locatelli, en fait, sa dernière section est aussi grande que ses bandes les autres bandes, sauf que ses côtes sont à l'intérieur de cette bande, en fait. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire, ou au pire, je ferai une bande entière, plus les 3 cm de côte qui sont préconisés. Voilà. Il est vraiment très très beau, mais comme je disais sur Insta, quand il sera terminé, je suis pas sûre de le mettre parce que c'est vraiment de la laine très très fine. C'est de la fingering, mais en plus, je trouve que celle-là, elle est particulièrement fine. Donc, voir quoi qu'avec un débardeur en dessous, je sais pas. On verra, mais il est magnifique. Je l'adore. Donc, en clair, il me reste que ça à faire pour le corps. Et après, les mini-manches, parce que vu que c'est des manches qui doivent arriver ici, enfin, la manche du corps doit arriver par ici, il ne doit pas rester, il ne doit pas avoir grand-chose à faire. Voilà. Donc, il y a plein de tricopines qui l'ont fait. Sophie de l'Anéphile, Émilie d'Amarelli, Amari Laser, Caro de Petit Pimousse, j'ai oublié, non. Il ne faut pas se lancer dans les citations de noms parce qu'après on en oublie, après les gens ils sont fâchés. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait parce que j'étais branchée automne et c'est pas fini. Donc en clair, dans tout ce qui me reste à faire pour l'automne, de ce que j'avais prévu ce week-end, ce que je n'ai pas fait, c'est les broderies d'automne. Donc vous savez, mon cœur avec la petite bonne femme, et donc la broderie que Véronique de Rouge Antique m'a gentiment offert, qui est donc la, vous savez, je vous l'ai mis l'autre fois, je vous le remets si je ne l'ai pas mis, l'inscription automne avec toutes les couleurs, les feuilles, etc. autour de la... Je suis pressée de la faire. Donc il me reste la broderie, les cadres, je vous ai dit, le petit cœur là que je dois terminer et mon rangement de dressing. Je n'ai pas interverti les vêtements d'hiver et d'été. Non, j'avais la flemme. J'ai fait 3 heures de repassage. En 3 heures, j'abuse, mais j'ai fait beaucoup de repassage. Et du coup, j'avais la flemme de vider les placards. Sinon, le concours. Alors, je pense, c'est pas sûr, mais je pense pouvoir vous présenter les lots vendredi. Alors, vous présenter les lots, c'est une chose. Est-ce que je vais lancer le concours vendredi? Ben, quand vous aurez la vidéo, là, je ne sais pas. Donc, on verra ça après demain. On va parler d'achat. Ben oui. Va parler d'achat parce que je ne peux pas m'empêcher d'acheter. D'ailleurs, à ce propos, quand je vous ai montré le club d'octobre de chez Woolbag, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, je crois, j'avais un doute, je me suis dit, ça ressemble pas au mood board et tout. Bon, c'était joli, mais ça ressemble pas. Et de ce fait, c'est vrai que du coup, j'ai vu sur Insta les personnes publier leur club d'automne, mais ça ressemblait pas au mien. Donc, j'ai envoyé un message. Et donc je lui ai dit, est-ce que c'est normal que j'ai pas la même couleur? Parce que peut-être que je sais pas, moi, il y a plusieurs lots, j'en sais rien. Et elle me dit, ah oui, effectivement, il y a un petit problème, je t'envoie le bon. Voilà, donc je voulais rectifier, je vous montrerai quand ça arrive par rapport au mood board, c'est beaucoup plus ressemblant en fait. Donc sinon, j'ai acheté sur Obi. Alors l'année dernière, j'avais acheté ça. J'avais acheté, c'est des cakes de Noël, donc je crois ils ont ressorti d'ailleurs tout ce qui est Noël et Halloween. Et donc c'est un cake de Noël que j'ai jamais utilisé, qui est complètement en acrylique. Je voulais faire une espèce de couverture, alors, je sais pas en maille serrée, au crochet, mais je sais pas en maille serrée ou en granit, je sais pas encore. Mais je voulais pas le faire qu'en cette couleur-là, et puis j'aurais pas eu assez. Donc j'ai commandé de l'acrylique. Oui, on ne peut pas acheter toujours des laines teintes à la main, surtout que c'est pour le pouf où on met nos pieds. Donc clairement, je ne vais pas mettre mes pieds sur de la laine teinte à la main. Aucun intérêt. Donc j'ai acheté de l'acrylique. Et voilà. Donc j'ai acheté ces couleurs-là pour aller avec. Bon, le rouge est peut-être un peu trop rouge. J'aurais peut-être dû prendre un truc plus bordeaux. Voilà, donc pour faire des rayures, des carrés, je ne sais pas encore, dans ces couleurs-là. Donc ça, je le commencerai que quand l'automne sera terminé, parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour l'automne. Oui, je voudrais me faire également une couverture, un petit plaid pour le repose-pied en granit d'automne.
je suis pas trouble, en gravier d'automne et j'ai acheté du coton chez Obi. Et je l'ai oublié là-bas, j'arrive. Donc j'ai acheté plusieurs cotons de ce type-là. Bon, je vous les embrouille. Voilà, plusieurs cotons de ce type-là. Donc il y a du coton 8-4 et 8-6. Et ce que je vais faire, parce que comme j'arrive pas, il y a plusieurs couleurs. Bon là, vous voyez un peu des couleurs similaires, mais elles se ressemblent, enfin, elles se ressemblent, mais pas tant que ça. Et pour pas avoir à choisir, à me prendre la tête pour mettre, savoir dans quelle ordre je vais les mettre, en fait, quand je vais commencer mes rangs, enfin, mes tours, je sais pas comment on dit au crochet, je piocherai. Ou je ferai piocher mon mari ou mon fils. Comme ça, je ne serai pas influencée. Et ils piocheront dans le tas pour que ça fasse des rayures aléatoires. Donc voilà, donc c'est des cotons de chez Obi. Donc par exemple, celui-ci, c'est la Rainbow 8-6. Alors oui, normalement, c'est pas fait pour se tricoter. Parce que celle-là, c'est de la 8-4. Voilà, la 8-4. Donc, forcément, elle est plus fine. Mais bon, ce sera une couverture en granit, ça va pas se voir. Non, non, non. Donc voilà, on est en fond dans les couleurs d'automne. J'adore. Bon, il y en a, c'est vrai, ça joue à peu de choses quand même, hein. Pas sûre que je vais utiliser tout. Ces deux rouges, par exemple, ils sont quand même relativement super proches. Bon, je vais pas pouvoir tout tenir dans la main. Pas possible. Pas possible. Voilà. Donc voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et ça, je le crochèterai jusqu'à temps que jusqu'à ce que donc les décos de Noël commencent. Donc je commencerai l'autre cake. Et ça, si c'est pas terminé, il y a de grandes chances que ce soit pas terminé. Je le garderai pour l'automne prochain et je commencerai à le recrocheter l'automne prochain. J'ai acheté également, mais je vous montrerai pas du coup, parce que j'ai acheté quelques trucs pour le concours chez Obi. Il y a plusieurs choses. J'ai enfin trouvé le lot pour mes petites Québécoises. Voilà. Donc tout ça, je vous le dirai vendredi ou la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Et je viens de recevoir également la commande de Christelle Tricote. Je vous ai dit dans le dernier vlog que j'avais mis des laines dans mon panier, donc notamment de ces couleurs d'automne, et que je n'ai pas validé. Donc j'avais peur qu'il n'y en ait plus. Et il y en avait. Alléluia. Donc j'ai reçu ma commande. J'ai commandé dimanche, je crois, et on est mercredi et midi. Et j'ai reçu donc ce matin déjà. Elle était très vite, Christelle. Elle a été à la poste dimanche. Donc j'ai pris sur ce. Elle a fait quatre coloris, j'en ai pris deux. J'ai pris celle-ci qui est. Je vous approche. Bois d'automne. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Donc bois d'automne, ça c'est du Merino Super Wash. Donc 100% Merino Super Wash. C'est vraiment très beau. J'adore. Je vous laisse flou, hein. Et j'ai pris le kit à chaussettes, donc Merino Super Wash et nylon. Et j'ai pris le coloris feuille d'automne. Regardez comme il est beau. Avec son mini qui est à Kant. Bon, après le mini, vous savez, je pense que maintenant mes chaussettes, je vais les faire unies ou alors vraiment les mini, je m'en sers pour les pointes ou les talons. Et regardez. Bravo Christelle! Et donc il y a l'autre couleur, c'est fin d'été, et l'autre je crois c'est douceur d'automne, quelque chose comme ça. Voilà. On est en plein dedans, hein? On est en plein dans l'automne. C'est trop beau, trop beau. J'adore. Donc voilà pour mes achats. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ouais, on se retrouve vendredi et puis à tout de suite. Vendredi 30 septembre, la semaine est terminée et c'est pas du luxe parce que je suis crevée. Je fais rien, absolument rien. Mais je sais pas, ça doit être le temps, l'atmosphère. Je suis en mode hibernation. Je dois avoir un animal totem, je sais pas, ours.
ou écureuil, truc comme ça. Un truc qui dort tout le temps pendant l'hiver. Bon, on va avancer. Alors aujourd'hui vendredi, donc je disais, donc j'ai plein de choses à vous, peut-être pas à vous montrer, mais à vous dire, notamment le concours. On commence par le DP parce qu'on est vendredi. Le DP. Alors je sais plus où j'en étais la dernière fois. Parce que je ne vous ai pas montré la semaine dernière, je crois. Alors, le voici. Donc j'en suis. Oh, je crois que j'avais fini. Non, il me reste ça. J'en suis donc ici, à ce petit carré. Je vous remets la photo, comme d'habitude, la photo initiale. Voyez comme il est beau. Donc oh, je sais pas si je l'aurais fini avant de commencer un DP de Noël pour le reçu quand même. Je pense qu'il sera fini. Il me reste que. Ah non, il est plié. Ah merde. Ah non, non, en fait, non. Voilà, le DP de Noël, je vais le commencer donc mi-novembre, on va dire. Donc non, je ne pense pas que d'ici mi-novembre, j'ai fini toute cette partie. Toujours un régal à faire, les couleurs, etc. La pose des diamants. Mon petit souci sur ce DP-là, c'est qu'en fait, la toile, je sais, j'arrête pas de vous le dire, mais il faut que je vous le fasse, je vais vous faire une vidéo spéciale. Mais la toile, cette toile-là, elle colle pas assez. Donc du coup, quand je vous le bouge, quand je vous le montre le vendredi, ou que je le bouge, moi, quand je couds, je l'enlève, etc. Et du coup, il y a des diamants qui s'enlèvent, donc là, je les vernis. Enfin, j'ai verni la partie que j'ai terminée. Comme ça, au moins, je suis tranquille, ça ne bouge plus. Donc voilà pour le petit DP. Enfin, petit, grand DP. Qui dit vendredi, dit température blanquette. Attendez, je le pose bien parce que. Me revoilà. Me revoilà, me revoilà. Bah pendant que je suis debout, pas du tout, je suis assise, mais bon, je porte mon Love Note que j'adore. Alors, je l'enlève. Donc, mon Love Note que j'adore, que moi j'ai rallongé. Normalement, le Love Note est crop court. Là, moi, je l'ai rallongé. Ce que j'aime bien, c'est cette forme, voyez, qui est plus longue derrière que devant. Je trouve ça sympa. J'ai rallongé les manches qui normalement sont de 3/4. Parce que j'aime bien mettre toujours mes mains comme ça. J'ai également, donc normalement sur le modèle initial, vous avez 4. Là, vous voyez, vous avez une, deux, trois. Normalement, il y a une quatrième. Mais moi, j'ai trouvé que ça, bah, surtout sur une grande taille, ça, c'est pas joli que ça tombe sur la poitrine. Donc, j'ai enlevé un rang de. Enfin. Un motif de dentelle. Et là, si je me trompe pas, normalement ce sont des côtes et moi j'ai fait un high cord. Et ça, je suis total look vert aujourd'hui. Et ça, donc c'est le Miss May Shawl que j'ai fait dans le cadre du Calmystère de Hélène Stewart, je crois. Je crois que c'est Hélène Stewart, vous voyez, donc qui était tout en dentelle et qui était exactement dans la même laine que le Love Note, mais lui il est en déca et elle c'est une single, je crois, single fingering, une louve dans les bois, coloris forêt noire. Vous savez tout. On est parti. Je suis totale verte. On dirait un sapin de Noël. Alors. Ah, c'est un peu too much le thème automne, mais quand on aime, on ne compte pas. Tout à fait. Je disais quoi? La température blanquette. La température blanquette. Voilà. On avance dans le marron. Voilà. C'est tellement bien. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas, je vous dirai à la fin là, de ce vlog ce que j'ai prévu de faire ce week-end. Et notamment, dans ma liste, il y aura vous faire le décompte approximatif pour ma version. Pour ma version du nombre de laine qu'il vous faudra pour l'année prochaine si vous faites avec la même taille d'aiguille, etc. etc. C'est vraiment approximatif, c'est vraiment pour que vous ayez une idée de ce que vous devez acheter. Parce que là, je pense qu'en plus, il va y avoir des promos, je pense, sur les laines.
ce que vous devez acheter pour si vous voulez vous faire une température blanquette l'année prochaine, les quantités que vous devez acheter. Parce que si vous prenez sur des sites où les coloris sont temporaires, ben, si vous vous retrouvez à la fin de l'année et que vous n'avez plus la couleur, c'est embêtant. Après, si vous prenez des sites comme Fildart, enfin, où les coloris sont reconduits, vous prenez moins de risques. En même temps, c'est une couverture, hein. Je vais pas prendre, moi perso, je vais pas prendre de la laine teinte à la main pour une couverture qui va servir pour les chats et leurs griffes. Non. Donc voilà, donc on a avancé, on a été principalement dans le marron, ce qui est une température moyenne de 10 à 14, si je ne me trompe pas. Donc ça caille un petit peu, hein. Et on aime quand ça caille, enfin j'aime quand ça caille un petit peu. Voilà pour la température blanquette. J'ai avancé également le chimachaul que je fais dans le cadre du cal. Du hashtag cal chimachaul bim. Voilà. Qu'on fait avec, là, on en est sur le groupe à 95 personnes. Oui, messieurs, dames. 95 personnes et qui a été lancé par Christelle de Démaillez-moi, Laura de Laine Poudrée et Domi Victoine sur Insta. Voilà. Et c'est vraiment ce cal, c'est vraiment un petit plaisir. Il y a beaucoup d'échanges et c'est pas le bon sac. C'est celui-là. Alors, sans mélanger les trois écheveaux, parce que c'est ça qui n'est pas pratique. Ça, c'est pas pratique. Donc, ça s'en mêle. En plus, il y a une grande queue de châle, donc ça s'en mêle dedans. Hop. Alors, oui, il y a une technique, hein, pour positionner vos fils, etc., pour pas que ça s'en mêle. Mais... Flemme. J'ai la flemme. Alors, le voilà. Il est bien automnal, hein, alors, le chimachaul, donc là, vous voyez, j'en suis. Ah, vous savez, il y a plusieurs teams dans le groupe et moi, j'en suis à la team pas escargot, tortue, mais pas escargot. J'en suis à la page 6, si ça peut, si vous le faites, que vous sachiez à peu près où j'en suis. Là, donc, comme je vous avais dit dans un des vlogs, je me suis trompée, moi, en fait, parce que la maille ici, mais c'est vraiment une super idée, ça. Ça, c'est à retenir. C'est vraiment une super idée de faire en fait passer vos fils. Ça vous permet que le fil monte avec le reste de l'ouvrage sans qu'il y ait de fil à rentrer. Et donc, du coup, vous le tricotez sur une maille. Alors, normalement, vous tricotez les trois fils. Donc, la couleur principale, enfin, qui devient plus principale maintenant, mais la couleur principale et les deux autres couleurs. Et normalement, vous tricotez les trois. Donc, ça fait comme un relief. Moi, je me suis trompée dès le début, donc c'est pas maintenant que je vais changer. Donc, mais moi, je trouve que c'est pas plus mal. Franchement, je trouve que c'est pas plus mal parce que ça fait pas une grosse épaisseur, même si c'est le principe, enfin, pas le principe, mais si ça donne son originalité au châle. Mais je trouve que le fait que le bleu soit pas rappelé, je trouve ça sympa. Dit la fille pour justifier son erreur. Sinon, je trouve que ma maille aussi, donc il y avait dans le groupe on va dire, une petite conversation sur le fait que cette maille, ça faisait pas joli quand en fait, parce que bon là je peux pas faire zoom avec celui-là, c'est chiant. Voyez. Non, je peux pas zoomer avec celui-là. Voyez celle-là et en fait elle commence à se confondre. Et pour disparaître. Et moi, franchement, je trouve pas que ce soit si bon. Là, il y a un petit décroché, mais bon, franchement, quand vous l'avez autour du cou, moi, je trouve ça fait sympa. Donc, j'en étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. Ça monte relativement vite, même si c'est le nombre de rangs est énorme. Mais comme vous voyez, c'est une petite. Après, je sais pas si on va avoir beaucoup plus de mailles, mais c'est pas sur une grande surface, enfin longueur. Donc c'est pas si long que ça. Ce qui est ludique, c'est qu'on coche. Donc du coup, c'est vrai qu'on avance, on avance, parce qu'on coche, on veut cocher la case d'après, etc. Donc voilà. Il est vraiment très très joli. Donc c'est jusqu'au 31 octobre. Je suis pas sûre
de l'avoir terminé le 31 octobre. Mais je vais tout faire pour. Voilà, pour mon schéma. Que je trouve vraiment très très beau. Je vous rappelle les laines parce que je crois que cette semaine, j'en ai pas parlé. Celle-ci, c'est le coloris entre chien et loup de Tricot et Stitch. Celui-ci, c'est le coloris Michonne. Michonne de Sur le fil de Bina. Et ça, c'est le coloris caramel, je crois, de chez Obi. Voilà, j'ai tout dit pour le châle chima. Ensuite, en tricot, j'ai avancé donc la chaussette. Je vous avais dit, mercredi, que j'ai terminé la chaussette de Christelle, donc pour le test de Christelle, d'Emma et moi. Et j'ai avancé la deuxième. Et comme on se disait justement sur le groupe, enfin le groupe du testeuse, je ne sais pas vous, mais du coup, quand on fait la deuxième chaussette, ça va beaucoup plus vite. Alors certes, du coup, comme sur la première chaussette, on a fait toutes les erreurs qu'on devait faire ou qu'on fait pas attention à ce qu'on fait ou des choses comme ça m'a pas empêché de refaire de faire des erreurs sur celle-ci. Je vais vous le dire parce que voilà, je vais vous le dire parce que je suis honnête, mais bon, je sais pas si ce serait vu. Mais bon. Donc la deuxième chaussette, pour moi, je la trouve plus rapide. J'en suis ici sur la deuxième chaussette. Alors, comme je ne peux pas faire le zoom, ça va être un peu compliqué. Alors, j'essaye de vous montrer. Si j'y arrive pas, je vais essayer de vous retourner l'écran. Alors, mon erreur, elle est là, en fait. Vous n'allez pas voir. Je retourne. Regardez, là, en fait. Alors, en fait, vous voyez, il y a le point de semis partout. Vous avez toujours une maille envers, etc., etc. Donc, vous voyez ici. Il me manque mes mailles à l'envers. Donc c'est pas flagrant. Je suis pas sûre que si là, vous voyez bien. Je suis pas sûre ici. Je suis pas sûre si je vous l'avais pas, si vous l'avez pas dit, vous l'auriez vu. Mais donc j'ai détricoté jusqu'ici. Allez, j'ai repris jusqu'ici, mais après j'ai dit bon, je laisse tomber. Voilà. Donc après j'ai dit je laisse tomber, tant pis. Donc ça se voit pas tant que ça. Je ne vois pas tant que ça. Donc voilà, donc là, il me reste encore quelques. Il doit me rester peut-être une dizaine de rangs pour arriver au talon. Et après, j'entame le talon. Je vais essayer de la finir ce week-end. Oui, c'est ça. Vous voyez, il me reste. Voilà, il me reste juste ça. Voilà, jusque-là pour commencer le talon renforcé. Il ne me reste pas grand-chose. Donc je vais vraiment essayer de la finir ce week-end pour pouvoir commencer des chaussettes. Mes chaussettes d'Halloween. J'adore. Je suis pressée tellement de le tricoter, ce cake trop beau. Et puis de rendre ma copie. Ben oui. C'est mon deuxième test. J'ai fait mon premier test avec Anaïs de Laine et Chaudron. Donc pour son brioche. Anas brioche shawl. Et c'est mon deuxième test. Voilà. Je suis toujours en stress. Donc voilà pour mes petites chaussettes. Donc sur les décos, les décos d'automne, je n'ai pas avancé. Je voulais juste vous dire, parce que là, quand je regarde les podcasts des copines, des tricopines, on parle beaucoup des vlogtober. Donc moi, je vous le dis tout de suite, je n'en ferai pas. Vous me voyez déjà bien assez une fois par semaine. Parce qu'en fait, les vlogtober consistent normalement à se filmer tous les jours un petit peu durant le mois d'octobre, voilà, pour montrer ce qu'on a tricoté, créé, etc. Donc sur tous les jours. Je vous adore, hein, mais non, pas tous les jours. Mais par contre, beaucoup des tricopines, des youtubeuses vont le faire. Donc je vous invite à aller les voir tous les jours. Moi, personnellement, je vais aller en voir certaines tous les jours, pour celles qui le font. Donc les décos de Noël, d'automne, je n'ai pas avancé. J'ai juste... Non, je n'ai pas avancé. Non, non, j'ai laissé, je me garde ça pour le week-end, tranquille. Je crois que normalement ce week-end, nous ne faisons rien. Donc ce sera encore un week-end cocooning. Bon, peut-être nettoyage du jardin, parce qu'il va falloir couper... Commencer à couper taillader. Non, pas taillader... tailler, voilà, élaguer, des choses comme ça, donc la végétation. Je vais par contre, même si je ne fais pas un vlogtober,
sur le, pas les conseils, les tentations de Christelle, de Demaï et moi, j'ai commandé, mais il y a longtemps, moi, je ne sais plus de quand on en a parlé, avril, mai, je ne sais plus, j'ai commandé un calendrier de l'Avent pour le mois d'octobre chez une teinturière anglaise qui s'appelle Tracy. Je vous montre. Enfin, je vous montre pas parce que c'est emballé, mais je vous montrerai ça. Non, attends, compliqué, hein. Donc, c'est Tracy Liane Lane. C'est la teinturière qui se cache derrière The Tudor Rose Craft Studio que vous trouvez donc à sa boutique sur Etsy et qui fait des calendriers de l'Avent, mais de toutes sortes. Il y a des calendriers de l'Avent pour l'été, des calendriers de l'Avent pour Halloween, des calendriers de l'Avent pour tout, pour Noël, pour tout. Et donc, en discutant avec Christelle, elle me dit, oh, j'ai commandé un calendrier de l'Avent pour mois d'octobre, Halloween, l'année dernière. Non, enfin, début d'année. Blablabla, blabla. Moi, faut pas me dire des choses comme ça. Donc, j'ai regardé. Bon, c'est en Angleterre. Donc, il y a des frais de douane qui, pour le coup, j'avais peur d'avoir de me retrouver avec des frais de douane de fou quand le livreur allait me livrer. Et en fait, non, les frais de douane sont compris, comme elle passe par Etsy, sont compris dans les frais de livraison, qui sont chers, hein, mais c'est compris. Vous n'avez pas à vous dire, oh là là, qu'est-ce que je prévois en liquide quand le monsieur va me livrer, ou la madame. Donc, le colis, le voilà. Il est gros parce que il y en a deux dedans. Donc moi j'ai pris un calendrier de l'Avent de 13 jours. Il y en a deux dedans. Parce que j'ai commandé aussi celui de ma sœur. On a fait un tiers groupé pour que les frais soient moindres. Elle, alors on ne sait plus en fait. On a choisi un calendrier de l'Avent. Il y en a un sur le thème des Hobbits et un sur le thème du Seigneur des Anneaux. Ça se rejoint, mais c'est sur le mood board, c'est pas les mêmes colorés. Mais on se souvient plus laquelle a pris quoi. C'est pas grave, hein, on verra. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je l'accrocherai là derrière moi. Donc il y a 13 jours. Donc je me suis fait mon petit calendrier avec les jours où je vais ouvrir les petits sachets. Voilà. Donc je me suis fait mon petit calendrier. Donc notamment, comme il y en a 13, je vais principalement ouvrir le mercredi comme je filme, enfin je fais des vlogs le mercredi et le vendredi, je vais ouvrir mercredi et vendredi, plus un jour, je pense le dimanche. Ça devrait tomber à peu près bien. Si je fais comme ça fait à peu près 13 sachets. Donc vous verrez ça au fur et à mesure, j'accrocherai ça derrière si j'ai le temps de faire la petite déco, parce que ma soeur va passer chercher le sien. Une fois qu'elle aura pris le sien, je vais accrocher un petit truc d'automne derrière. Comme ça, vous verrez les petits sachets disparaître au fur et à mesure. J'ai hâte. C'est demain le 1er octobre. Donc normalement, je devrais ouvrir le premier dimanche, mais je l'ouvrirai demain. Je filmerai 2 minutes, même si je suis en pyjama, je cacherai, je me filmerai comme ça. Voilà. Si j'ai reçu mon club d'octobre de chez Woolbag. De chez Woolbag Disney. Elle fait des clubs Disney en ce moment. Et j'ai reçu le mien d'octobre, mais je ne vous montre pas tout de suite parce que c'est pour le mois d'octobre. Et que celles qui l'ont commandé, je ne voudrais pas qu'elles le voient. Donc on verra le vlog prochain. Voire prochain. La sélection de patrons. Alors, là, j'ai très peu de patrons que vous m'avez proposé cette semaine, parce que vous l'avez beaucoup fait sur la fin de la semaine, en fait. Donc, j'ai pas eu le temps de sortir les images, donc je les mettrai sur les vlogs d'après. Par contre, du coup, j'ai complété avec des patrons, bah, d'automne. Alors, aussi bien des patrons déco que des patrons vêtements. On est parti? Vous êtes prêts? Allez. On est parti. Alors, un patron que vous m'avez, pour le coup, ça c'est vous qui me l'avez proposé. L'une d'entre vous faisait le Drejo, je sais pas comment ça se dit. Le Drejo de Fiber Tales, c'est un bandeau. Donc là, je vais vous mettre les photos là. Un bandeau qui est gratuit, mais qui est en anglais. Alors, il y a beaucoup cette semaine de patrons, beaucoup. Enfin, il y en a en anglais.
N'oubliez pas, alors je sais que moi, quand j'ai commencé les podcasts, enfin quand j'ai commencé à regarder les podcasts, vraiment ça me saoulait. Voilà, qu'on proposait des patrons toujours en anglais. Le problème, c'est qu'il y en a énormément en anglais et que faut vraiment pas vous arrêter à ça. Je veux dire, Google Traduction est votre ami. Enfin, moi, c'est simple. Enfin, c'est simple. Moi, je prends mon portable. Quand j'ai un patron en anglais, je prends mon portable, je prends une photo, je le mets à traduire sur mon portable, je fais une copie écran et je le. Bon, après, ça fait de la manip, hein. Et je le réécris à la main en français. Et voilà, enfin, c'est pas plus compliqué que ça, c'est long. C'est plus long, évidemment, que si vous achetiez un patron en français. Mais voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé. Alors, ça, c'est des choses que je. Ça, c'est ça que je les ai trouvées. Je les ai vues dans le podcast de Chantal de Fraîcheur Mentalo. Je vous avais dit la semaine dernière qu'elle avait fait des sélections de patrons. Et notamment, là, c'était des sélections de patrons. De sacs. Et ceux-là, enfin, je crois que c'est chez elle que je les ai vus. Je sais plus. Bref, en tout cas, c'est Chantal qui m'a inspiré la recherche des patrons pour les sacs en laine. Donc, ceux-ci, ce sont les stash. J'arrive pas à me relire. Bushing. Des fois, j'écris, je me relis pas. Stash Bushing Project Bag, qui est un patron en anglais et gratuit. Donc, c'est des gros sacs en grosse laine, visiblement, qui sont très jolis. Enfin, jolis, je sais pas, mais le principe est sympa. Donc ceux-là, je les ai trouvés trop mignonnes. Ce sont les Just Pushy Pishy Pumpkin Sock Set. C'est des patrons de chaussettes citrouille. Elles sont trop mignonnes. C'est un patron en anglais à 5,48 € et elles sont vraiment trop jolies. J'adore. Bon, vous pouvez les mettre qu'un mois dans l'année, mais c'est trop joli. Ça, c'est une d'entre vous, et c'est pour ça que je trouve ça sympa, les podcasts, parce que c'est, enfin, pour moi, cette communauté, elle est vraiment très dans le partage, dans tout ça. Et comme vous avez compris, je pense, que j'adore tout ce qui est déco comme ça, et encore plus automnale, il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé donc sur Insta un modèle de guirlande, en fait, d'automne à tricoter. Et regardez, je vous mets, donc c'est l'automne. Et voilà, je n'arrive toujours pas à me relire. Bunting. Automne Bunting de chez Frankie Brown. C'est un patron en anglais et gratuit. Donc c'est une guirlande automnale au tricot. Merci pour tous vos partages et tous vos messages privés où vous m'envoyez des trucs super sympas. Alors celui-là, je voulais vous en parler parce que Loli l'a fait, a recommencé à faire des podcasts donc sur YouTube et elle a fait le lancement de son pull Molly qui est, je trouve, sur le principe très sympa. Après, j'ai pas trop fait attention à la forme et tout, mais le principe est sympa. En fait, elle vous le propose gratuitement sur Ravelry. Je sais pas si elle a un site privé, enfin sur Ravelry. Donc, elle vous propose cette version gratuitement. En français, parce que Loli l'a fait, Lolita est française. Et par contre, par la suite, dans le courant de l'année, en fait, le principe de ce pull, c'est que là, vous avez le basique et qu'après, je vous mets la photo, vous allez avoir, vous pourrez acheter pour le coup des, je sais plus comment on appelle ça, des grilles en fait. Vous pourrez acheter des grilles tout au long de l'année qui vont s'associer à ce pull. Donc, vous avez la base et ensuite, vous pourrez acheter. On va dire des options. Des options par saison, par thème, des grilles qui vous permettent d'améliorer et de décorer votre pull. Je trouve ça sympa. Sur le principe, je trouve ça sympa. Ensuite, j'ai vu la couverture Autumn Haze de Brenda York. Je la trouve magnifique. Alors, est-ce qu'elle est magnifique par ses couleurs? Parce que les points, allez voir sur Ravelry, les points sont super jolis également. C'est un patron en anglais gratuit. Je vous mets une autre version, une autre couleur qui est aussi très très belle. Et vraiment, je l'adore celle-ci. Oh, j'adore tout. C'est une catastrophe. Donc, là, c'est une autre couverture, mais c'est pas, en fait, le patron que je vous propose, ce n'est pas une couverture. Le patron que je vous propose, là, c'est une grille, en fait, qui coûte 1,18 € qui est en anglais. Et en fait, la chose que vous achetez, c'est la feuille.
Et elle est super bien faite, cette feuille. Bah, regardez, elle est magnifique. Donc là, je vous la mets sur une couverture, mais quand vous allez sur Ravelry, des personnes s'en sont servies sur des écharpes, sur des coussins, sur. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités et c'est vraiment un motif très joli. J'ai encore 12 feuilles. Non, je rigole. C'est pas d'humour. Alors, celle-ci, c'est les chaussettes A Little Hocus Pocus Socks de chez This and My Life. Alors, cette designer, oh, je sais pas si c'est une fille d'ailleurs, ces designers, en fait, je les ai découverts, je crois que c'est par Christelle de Tricot et Stitch, qui, pour son patron du mois, a proposé justement une paire de chaussettes que je vous montrerai après. Et qui était de cette design. Je crois que c'est Christelle, hein, je suis pas sûre. Et en fait, c'est une design. Des designers qui proposent beaucoup de patrons chaussettes. Et il y en a de énormément gratuits. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors franchement, allez jeter un œil. C'est vraiment hyper joli. Donc celles-ci, ce sont des chaussettes d'Halloween, hein, parce qu'on est dans le thème, qui sont gratuites et qui sont en anglais. Ensuite, vous avez donc les Cozy Autumn Life, dont je vous parle, qui sont également gratuites. Elles sont super jolies aussi et qui sont en anglais. Mais je vous dis, n'ayez pas peur de l'anglais. Franchement. Alors, celle-ci, en plus, si c'est bien de chez Christelle Tricot Stitch où j'en ai entendu parler, elle est traduite. Si vous envoyez le patron, la preuve d'achat du patron, que vous avez acheté sur Ravelry, elle vous envoie la version française, mais je suis pas sûre que ce soit elle. Ensuite, question déco, j'ai trouvé les Kyo Pumpkin de chez Fabic Knit. Alors apparemment, elle a un site web. Donc voilà, ce sont des citrouilles, donc c'est un patron en anglais et gratuit. Et j'en ai trouvé un autre. Un patron gratuit également, toujours en anglais, d'Adrienne Sullivan, les Gorgeous Knit Pumpkins. Ils sont vraiment très jolis. Alors, à essayer, hein, je crois que c'est ceux-là que j'ai sortis pour essayer mes citrouilles de ce week-end, si j'ai le temps. Alors, ça, c'est très joli également. C'est des patrons de chez Irina Ferrer, qui fait beaucoup de feuilles. Oui, des feuilles mortes au tricot. Et quand vous achetez plusieurs patrons de chez elle, en fait, vous avez, je crois, le troisième gratuit, si je ne me trompe pas. Notamment, moi, j'ai retenu les Autumn Oak Leaves. Je crois que c'est ça. Un patron, donc celui-là, il est en français à 5,50 €. Et les Autumn Leaves. Toujours d'Irina Ferrer à 3,95 €, cela en anglais. Mais vous avez plein de types de feuilles. Elle vous propose plein de types de feuilles. Elle vous propose aussi des dessous de tasse, des dessous de verre en feuilles. Et je vous dis, quand vous en achetez plusieurs, il y a un pourcentage. C'est vraiment très joli. Ce compte Ravelry est vraiment très joli. J'ai également vu, pour les fans d'Halloween, les Autumn Doodle Cup Cozy de Jamie Lomax, qui est un patron en anglais à 2,62 € pour recouvrir vos mugs, enfin vos mugs ou vos trucs là de café, quand vous buvez du café ou du thé. Alors, les Autumn Fire de la maison de Saba, ça porte bien son nom en ce moment, parce que c'est la saison des sorcières. La maison de Saba, donc gratuit, et c'est un patron en anglais, elles sont très jolies. On va bientôt finir, vous inquiétez pas. Vous avez marre, hein? Oui. Pas moi. Alors, celui-ci, je l'écoute. Donc, du coup, c'est la créatrice du Shima, donc Béatrice Maz. Et du coup, j'ai été jeter un œil sur les patrons qu'elle faisait et j'ai trouvé un sac trop joli que je vais certainement faire, comme beaucoup d'autres choses. C'est le Shizen Bag qui est en français à 6 €. Je le trouve trop beau. Franchement, je vais le faire. Oui, bien sûr. Est-ce que je vais le faire en version Noël ou en version automne? Oh, peut-être la version automne. Je sais pas, je vais voir. J'ai également vu donc le Recollex Call de Jennifer Stengas, un call en anglais à 7,86 €. Je sais pas si c'est du. J'arrive pas à voir si c'est de la mosaïque ou quoi.
Je n'arrive pas à voir. Et le dernier, donc celui-là que je trouve très beau, c'est le Azor d'Orlan Souché. Souché ou Suche. Souché, qui est un patron en français à 7,98 €. Et celui-là, je me le ferais bien en pull de Noël. Parce que je vous avais dit, je voulais faire le Scafell en pull, en version Noël. Et en fait, je trouve que le yoke descend trop sur les manches et j'ai peur qu'en levant les bras, ça bouge. Et celui-là, je sais pas, je le trouve moins serré, enfin moins étriqué sur moi. Vous savez, j'aime pas que ce soit serré. Et celui-là, vraiment, je le trouve très joli et avec des couleurs noëlesques, ça peut être sympa. On parle du concours ou on va parler du concours. Comme ça, après, ceux qui veulent pas voir la sélection podcast, vous pourrez partir. Je vous lâcherai. Je vous libérerai. Alors, le concours. Je pense qu'on va le lancer aujourd'hui. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai plus qu'à préparer ce que j'avais fait l'autre fois, là, les petits bocaux. Les petits bocaux avec les numéros de lot. Et je vous montre tout ça. Alors, il y a, que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lots. Alors, je vous les donne. Alors, c'est pas du tout dans un ordre le gros lot ou le petit lot, pas du tout. C'est des lots, on va dire, différents. Dont deux lots qui sont spécialement pour les personnes hors de France et un lot spécialement pour les Québécoises. Bah oui, parce que quand même mes copines québécoises qui me suivent tout le temps, qui m'écrivent des messages tout le temps depuis le début. Alors, on commence. Premier lot. Faut que je le note moi parce que j'ai pu savoir quel lot je vous ai dit en premier. Donc, premier lot, je le note en même temps que vous. C'est donc, je vous avais dit, quand j'ai tricoté le châle Miss May, le Miss May Shawl, il me restait un écheveau entier de ce coloris que je ne réutiliserai pas. Vous voyez, j'en ai déjà beaucoup. Donc, je vous propose cet écheveau, qui est un écheveau donc d'une louve dans les bois, qui est le coloris forêt noire et qui est une louve, donc c'est sa gamme Louve Single 100% Merino Super Wash, 365 mètres pour 100 grammes, qui se tricote en aiguille 3 à 4. Donc ça, c'est le premier lot. Voilà. Petit 2. Je note. Petit 2. Alors, je vous dirai après. Celui-ci, c'est un écheveau de Tricot et Stitch qui s'appelle dans sa base Silk Kid Fluff, qui est un 69% soie, 22% kid mohair et 9% polyamide. C'est un écheveau de 100 mètres pour 350 grammes. Alors, il se peut qu'il manque un petit peu parce que je l'avais mis en cake pour faire un échantillon. Donc, il doit manquer. Il faudrait que je vous le mettrai en dessous, combien de grammes il fait. C'est une laine qui se tricote en 3 à 4 mm. Donc, je vous ai dit de Tricot et Stitch. Et le nom, c'est Lone Peak. Donc, il a toutes ses nuances, il est vraiment très beau. Blanc, bleu, il y a un peu de vert fluo, c'est pas du jaune, vert fluo. C'est le lot 2. Le lot 3. Il s'agit de l'écheveau. Si vous avez suivi tous les vlogs, vous avez vu que j'ai commandé la box de septembre de Anaïs de Laine et Chaudron. Anaïs, oui. Anaïs de Laine et Chaudron. Du Petit Prince. Donc,
Quand je commande des box comme ça, c'est toujours dans l'optique, bon, bien sûr, choisi en fonction de ce que j'aime aussi, mais c'est toujours aussi dans l'optique de garder un petit truc pour vous. Et je vous garde celui-ci. Je vous ai gardé celui-ci, j'ai gardé les mini, mais je vous garde celui-ci, qui est sa base Belladone. Donc sa base Belladone, c'est 75% Mérino, 25% nylon. C'est une 100 grammes pour 425 mètres. Et c'est son coloris, bah, je ne sais pas parce que c'est le coloris de la box du Petit Prince. Donc, vous avez... Il est magnifique. Je vais peut-être le garder en fait. Non, c'est pour vous. Ah, j'avoue, j'ai... Oh, je le garde peut-être. Non, je le vois, je... Non, non, je vous l'offre. Alors, il y a des parties vert d'eau, des parties vertes, des parties jaunes. J'essaie de les faire un peu. Voilà. Il est très très beau. Elle est très très douce. Elle est vraiment très sympa. Donc je vous montre. Je ne vais pas montrer pour les autres. Le truc de l'année chaude. Voilà. Elle est vraiment très jolie. C'est pas. À bientôt. Bah non, pas à bientôt. L'autre. L'eau 4. Si vous vous souvenez bien et si vous avez vu le tuto concerné. Je vais vous offrir le premier, enfin pas le premier, le sac à projet qui m'a servi donc pour faire le tuto du sac à projet que vous êtes énormément à utiliser. Donc je vous offre celui-ci qui a été un des prototypes, enfin pas des prototypes, celui qui m'a servi. Donc l'intérieur est dans le même coloris que la coulisse et que le bas. Voilà le tissu de plus près, avec un petit écheveau en prime de laine naturelle. Je crois que c'est de tricot et stitch. Voilà le lot 4. On dirait c'est Noël. Le lot 5. Alors le lot 5, je vais vous mettre comme la dernière fois pour ceux qui sont en dehors de France. Je sais, j'ai pas eu le temps de réfléchir autant sur celles du Québec. Je me suis un peu renseignée, donc c'est bon. Par contre, toutes celles qui sont en Espagne, au Maroc, etc., j'ai pas encore eu le temps de me renseigner comment je pouvais faire. Donc cette fois-ci encore, celles qui sont hors de France, mais pas au Québec, je vous propose de vous offrir un patron. Donc, un patron sur Ravelry jusqu'à... vous me dites, on verra. Donc, sur Ravelry, je vous offre un patron pour celles... Ce serait sympa. Après, c'est vraiment celles qui ne veulent pas de laine teinte à la mare ou des choses comme ça. Positionnez-vous sur le... Vous pouvez vous positionner... Tout le monde peut se positionner où il veut, mais bon. Positionnez-vous sur le patron en sachant que c'est mieux de laisser leur chance à celles qui ne peuvent pas bénéficier des autres cadeaux. Voilà, donc lot numéro 5, le patron. Lot numéro 6, pour mes petites Québécoises, j'ai regardé sur le site Espace Tricot, et en fait, sur le site Espace Tricot, je peux faire on va dire, des cartes cadeaux. Donc, le bon numéro 5, ce sera un bon d'achat sur Espace Tricot de 15 euros. Oui, messieurs, dames. De 15 euros. Ça équivaut un peu aux échevaux que peuvent gagner celles en France. Et le lot numéro 7. Donc, j'ai fait une petite commande sur Obi. Et j'ai commandé plusieurs, en fait, plusieurs pelotes de laine Amigo. Donc, qui est de l'acrylique. Plusieurs couleurs de laine automnale. Pour que vous puissiez vous faire un petit plaid, voilà, une petite déco, un truc comme ça sympa pour l'automne. Je vous montre. J'ai choisi, pas le panier, hein, je le garde le panier. Hein. Voilà. J'ai choisi ces couleurs. Donc pour que vous puissiez vous faire ou un petit truc en granit ou un petit plaid ou que sais-je, un petit napperon, ce que vous voulez. Avec, je ne vous ai pas dit, il y aura des petits cadeaux avec les écheveaux et tout. Et avec deux petits bloqueurs de mailles en renard. Voilà.
Donc vous avez un petit orange, un moutarde, un rouge bordeaux, je sais plus si c'est rouge bordeaux ou rouge rouge, on voit mal. Je sais plus si c'est rouge rouge. Un espèce de caramel, un brun et un orange. Avec les petits renards. Voilà, voilà les cadeaux. Donc pour jouer, évidemment, il faut être abonné, ce qui serait bien. Abonné, alors, par rapport à la dernière fois, je ne vous demanderai pas de me donner un patron parce que maintenant on le fait systématiquement, non. Par contre, je vous demanderai de me dire en commentaire par quel intermédiaire vous avez découvert ma chaîne. C'est un truc qui me... Voilà. Alors là, on est 2170, je crois. Et je me dis, mais comment tous ces gens ont pu voir? Ça peut pas être des gens qui ont vu des vlogs, des vlogs des autres, où on se parle les unes des autres. Je dis, c'est pas possible, tous ces gens. Donc j'aimerais bien savoir, parce que je suis curieuse, comment vous avez découvert cette chaîne. Alors, comme la dernière fois, s'il y a autant de monde que la dernière fois, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Je ne ferai pas comme la dernière fois où j'ai voulu me lancer dans des réponses et que j'ai jamais réussi. Donc, je répondrai pas. Enfin, si, je vais vous mettre un petit cœur, un merci, un truc comme ça, mais je ne pourrai pas répondre sur des questions, des choses comme ça. Donc, si vous voulez me poser des questions hors concours, si vous participez, vous me dites je participe et j'ai découvert ta chaîne. Gna gna gna. Si c'est des questions en dehors de ça ou vous voulez me parler d'autre chose, écrivez-moi ou par mail ou sur Insta ou des choses comme ça. Comme ça, je vais séparer parce qu'autrement, je ne vais pas m'en sortir. Ça va être trop dur. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire démarrer bah, dès que vous voyez la vidéo. Il faut vite que je fasse mes bocaux avec mes petits numéros. Je vais dire à mon fils qui va être sollicité pour le tirage au sort. Il va être tellement content. Donc, on fait partir le concours maintenant. Et je vais vous laisser jusqu'au... Donc, samedi, on sera le premier. Donc, jusqu'au 16 octobre minuit pour jouer. Oui, pour jouer. Le premier. Et on joue jusqu'au... Ça fait premier, 8, 15, jusqu'au 14 minuit. Maintenant. Donc, je fais le tirage au sort. Bon, je me débrouille. Donc, vous jouez. Ça va être trop long. On fait jusqu'au 12. Jusqu'au 12 octobre. C'est le dernier mot. Donc, si je me trompe pas, on vous jouait jusqu'au... Voilà, j'ai été vérifiée sur un calendrier. Donc, mon dernier mot, on joue jusqu'au 12 octobre minuit, donc c'est un mercredi. Je fais le tirage le 13 et vous avez les résultats le 14 octobre. C'est dit, c'est fait. Donc, je vais passer aux sélections de patrons. Donc, ceux qui en ont marre de me voir, de m'écouter, je vous fais des gros bisous de patrons, de podcast. Je vous fais des gros bisous et on passe au podcast. Je vais vite. Alors, j'ai regardé Emma de Tricolibri. Que j'adore toujours. Hein. Emma, c'est vraiment. En plus, ce que j'aime, c'est qu'elle utilise. Elle n'a pas un stock énorme. Elle utilise vraiment son stash. Et là, en plus, son défi, c'est d'utiliser son stash. Sinon, elle peut pas utiliser les laines qu'elle a achetées. En Finlande, ou je sais plus. Après, c'est toujours très joli. J'ai regardé Christelle Tricote parce que je la regarde toutes les semaines, son vlog hebdomadaire. J'ai regardé Clémence, la semeuse de laine, ou Clemsem. Qui tricote, qui fait du tricot, de la broderie et qui a notamment fini son châle de mariée parce qu'elle se marie bientôt et elle a tricoté un châle blanc écru pour son mariage. Donc que je regarde aussi régulièrement. Valérie de Valivalou, évidemment, que je regarde tout le temps. Elle a fait un petit pull de chez Petite Knit en mohair, enfin en moitié mohair, moitié. Il est vraiment super joli. La laine, c'est du... La laine, les points parisiens, je crois, et il est vraiment très joli. Il est blanc avec des speckles roses. Allez voir. J'ai regardé Caroline au petit bout de fil,
qui donc a fait, qui faisait partie du, enfin qui fait partie du hashtag Rêver son pull Saturne, qui se termine aujourd'hui d'ailleurs, donc on en parlera la semaine prochaine. Rêver son pull Saturne, qui a également d'ailleurs a reçu la box club découverte de Rosaline et Suzanne que je vous ai présenté la semaine dernière, mais là c'est du tissu et ces tissus, les tissus qu'elle a reçus, c'est vraiment super joli. Si vous voulez voir ce que fait, à part la box que je vous ai montré la semaine dernière, ce que fait en tissu, ce que propose en tissu Laurine, allez voir au petit bout de fil. J'ai regardé Cécile de Cécile Tricote et Papote, donc d'où qui m'avait inspiré donc pour la température blanquette, parce qu'elle en fait une également et qui a fait partie de celles qui ont lancé un peu le truc, donc qui fait du tricot, couture et filage, et qui a notamment fait un cardigan avec des manches arc-en-ciel. Superbe. J'adore. J'ai regardé le fil de Saria qui fait de la broderie tricot de point de croix de fou. Et là, notamment, elle fait trois versions des gnomes de Sarah Shira. Et voilà. J'ai regardé donc le retour de Christelle Tricot et Stitch qui revient des salons, notamment de laine à l'est. Et elle revient, j'adore son enthousiasme à Christelle. Elle revient avec, elle était avec quelqu'un qui avait un stand à côté qui fait du crochet, je ne me rappelle plus de son nom. Et donc elle est devenue folle, elle adore le crochet. Voilà. Alors, petite interruption, parce que ma sœur est venue chercher son calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai sorti le mien, je l'ai accroché derrière, comme ça, on pourra l'ouvrir dès demain. Je filme bref demain. Alors, j'en étais où? Oui, donc Tricot et Stitch, qui donc va sortir bientôt son châle Satisfaction. Il est vraiment super joli. Quand elle tricotait, je me suis dit, ouais. Et quand là, elle l'a montré, mais il est magnifique. Tout en dentelle, il est vraiment super beau et je pense qu'il sort début novembre. À suivre. J'ai regardé Christelle, donc d'Emma et moi, ma très copine, qui va se lancer dans les Vlogtober, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, et qui nous a parlé dans son dernier vlog donc de ses designs et qui fait une magnifique botte de Noël. Qui vaut bien une déco de Noël par mois. Hein, parce que vu la taille des bottes et du jacquard, je valide quand même. Donc j'ai regardé Julie, ça faisait longtemps, du fil et des cerises, donc qui a sorti un podcast où elle nous montre notamment son superbe board of the fever, qu'il faudra que je me fasse un jour d'ailleurs, et qui, mon grand désespoir, met ses tricots dans des sacs congélation parce qu'elle n'a pas de sac à projet. Alors qu'elle cousent super bien. Elle pourrait très bien se faire des sacs à projet. Elle a déjà fait un sac pour un bébé, je crois. Hein. N'importe quoi, Julie. J'ai regardé Fabi, donc un petit fil qui là, a fait un podcast crochet, mais qui nous montre également ses débuts au tricot. Et je suis contente, elle fait le châle Wendy et elle s'en sort super bien. Je suis super fière de toi, Fabi. Et je pense qu'elle va être pareil qu'au crochet. Elle va nous faire des trucs de malade. Et ça me fait, j'aime bien parce que comme elle est débutante, elle est un peu comme, enfin comme je disais, les débutantes ont beaucoup d'enthousiasme au début, mais je crois que ça s'arrête jamais en fait. On est tout le temps, oh, je veux faire ça, je veux faire ça. J'ai regardé Sophie, enfin, de Laine et Fil, qui a fait un podcast de 2h42. Oui, messieurs, dames. Donc il m'a fallu du temps pour les regarder et je les ai enfin regardés. Enfin, je l'ai enfin regardé. Donc, qui fait du tricot, de la couture, du filage. Elle fait également le lace fade and boxy qu'elle a terminé, parce qu'elle vient de publier sur Insta la photo. Donc, suffit. Sophie, gros bisous. J'ai regardé ça. Alors, ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que c'est quelqu'un que je regarde, Pauline, alors, je ne sais jamais si c'est Mystique Fibrae ou Mystis Fibrae. De toute façon, je vous mets tous les liens. Parce que je la regarde en fait, et c'est vrai que jamais je commente, et je sais pas. Alors, elle, ça doit être une des podcasteuses que je regarde à un moment où je note pas en fait. Du coup, je vous le dis jamais. Donc, je vous le dis, je regarde Pauline. Donc, qui fait d'ailleurs en ce moment beaucoup de choses. Elle est sur le MCAL céramique d'Audrey Borrego, dans des coloris magnifiques. Elle fait, elle a fait, voilà, fini. Je crois qu'elle a. Je ne sais plus si elle a fini. Les couleurs palettes Sox que je veux faire absolument. Et elle fait un patchwork à la main.
Couture, hein. J'adore. Et elle fait beaucoup de choses. Franchement, allez la voir. Allez la voir, Pauline. Et ben voilà, j'ai fini. J'ai pas été si lente que ça. Donc ce week-end, ce que j'ai prévu de faire, j'ai prévu de finir ce que je n'ai pas pu faire la semaine dernière, c'est-à-dire mes broderies, mon gnome, une citrouille, changer mon dressing, calculer les quantités pour la température blanquette, parce que ça, janvier va arriver à grands pas. Et c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. C'est déjà bien. Sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite un bon week-end. Participez bien au concours. Alors oui, j'ai oublié de préciser. Oh là là, mais je le mettrai sur ceux qui n'auront pas regardé la sélection de podcast. Vous ne participez que sur un lot, parce que la dernière fois, c'était beaucoup trop compliqué pour moi à gérer, à faire plusieurs papiers, vu que je les fais à la main, je note vos noms et je note vos noms. Donc c'est vraiment trop compliqué à gérer si vous faites plusieurs choix, donc je vous demande de choisir un seul lot. Merci. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très très fort et embrassez tous ceux que vous aimez. Et vivez votre vie en couleur. Mais oui!